Comment ça va? Bienvenue, bienvenue sur ce 8e live, je crois, bassistique. Alors, est-ce que tout est en place? Est-ce qu'il y a un petit peu de monde sur le chat pour me confirmer que vous m'entendez? Ça serait déjà super. Et que vous me voyez. Voilà. Vous êtes 17 pour l'instant. Ah bah voilà, ça y est, je ne vous avais pas vu. Le chat était en bas, super. Salut tout le monde, Yannick, Laurent. Oula, fait Camille, il faut que je mette mes lunettes maintenant. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ce prénom? Salut. Salut Michael, Eric, Simon, Jean-Louis, Pascal, Thomas. Ça va? Ça se passe bien pour tout le monde? Image et son, on est bon? Ça a l'air, je pense, j'espère. Et le flux a l'air, pour l'instant, à peu près correct. Voilà, donc on va essayer de faire en sorte que ça dure. Bienvenue à tous pour ce 8e live bassistique. Alors aujourd'hui, par rapport au sondage que j'ai fait toute cette semaine, là, vous avez été nombreux à répondre, plus de 175, je crois. Donc c'est cool, merci bien. Les avis étaient vraiment partagés là entre discuter de théorie ce soir ou alors discuter de groove. Vraiment quoi, la dernière fois que j'ai regardé là aujourd'hui, on était vraiment sur une égalité entre les deux. Donc du coup, on va faire les deux, si vous voulez bien. On va traiter les deux. Du coup, on va essayer de groover avec de la théorie. Et voir un petit peu comment on peut travailler justement sa théorie, sa connaissance du manche de manière ludique, amusante et en fait musicale quoi. Donc voilà, autant en profiter pour aborder deux sujets en même temps. Je pense que ça peut intéresser pas mal de monde quoi. Alors vous savez qu'au niveau théorie, enfin vous savez, pour ceux qui ont suivi un petit peu les lives jusqu'à présent, j'ai tendance à insister lourdement sur la connaissance du manche, bien sûr, il faut connaître ses notes sur le manche. J'avais fait une vidéo qui s'appelait « N'apprenez pas vos notes sur le manche ». Et en fait, c'était le petit truc, c'était de dire « N'apprenez pas bêtement vos notes sur le manche ». C'est ce qu'on va essayer de faire ce soir. On va essayer de défricher au moins une partie du manche et de manière intelligente si possible quoi. Et donc en passant par ces éternels arpèges hein. Pour ceux qui me connaissent un petit peu maintenant, j'insiste fortement sur la connaissance des arpèges. Donc on va se faire un petit rappel sur ce qu'est un arpège pour ceux qui ne seraient pas encore au courant, et puis ensuite on va essayer d'utiliser cet arpège pour groover
créer une petite ligne de basse, quoi. On va essayer de travailler sur, sur quelques intervalles qui me paraissent primordiaux pour créer des lignes de basse, quoi, pour jouer des lignes de basse. Okay. Donc, alors d'abord, un petit préambule. Vitos, pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, je conseille fortement d'aller télécharger mes 10 fiches d'harmonie pour débutants sur bassistique.com pour histoire d'avoir un support écrit sur tout ce qui va se passer, sur tout ce qu'on va dire ce soir, quoi. N'hésitez pas dans le chat à poser vos questions pour ce qui concerne la théorie, le groove, tout ce que vous voulez. Voilà, dès lors que je vois passer une question, j'essaye d'y répondre. Salut Carole, salut David. David, le son est OK. Ah, ça veut dire que l'image n'est pas OK. Pourtant, tu n'as pas vu cette petite profondeur de champ là, hmm. Donc, j'ai changé d'appareil. Et voilà, non, j'espère que l'image est correcte chez vous, quoi. Si tu peux me confirmer ça, David, c'est cool. Si l'image est correcte. Je vois, alors pareil, comme la semaine dernière, moi je vois que mon flux est dans le rouge, il n'est pas terrible. Et pourtant, vous me disiez que ça avait l'air, la diffusion avait l'air de se faire de votre côté plutôt correctement. Je suis toujours un petit peu inquiet par rapport à ça, parce que je n'ai pas un débit de folie dans ma cambrousse, quoi. Alors, et ben voilà, donc théorie et groove, comment travailler les deux ensemble? Alors d'abord, l'aspect théorique. Dans les 10 fiches d'harmonie pour débutants qui sont disponibles sur mon site, en fait, j'ai essayé de décrire le fonctionnement des arpèges majeurs, mineurs et septièmes. Les autres types d'arpèges, je les réserve pour d'autres fiches. En cours d'élaboration. Et voilà, en tout cas, les trois grands groupes d'accords, ce sont les majeurs, les mineurs et les septièmes. Donc ça, évidemment, cet aspect théorie-là, la construction des arpèges, qui sont aussi ce qui correspond aux accords hein, sur les instruments, pour les instruments comme la guitare ou le piano, c'est la même chose. Et ben nous, ces arpèges-là, il faut absolument qu'on les maîtrise sur le manche. Et c'est ça, à mon avis, la façon la plus intelligente de travailler sa connaissance du manche, quoi. Donc ce que je vous propose ce soir, c'est pas forcément de tergiverser à fond sur le fonctionnement des arpèges, la construction en eux-mêmes des arpèges, de faire que de la théorie ce soir, mais de prendre un exemple d'arpège et de groover avec, en fait. Et ça, c'est un exercice que je donne à tous les élèves qui s'intéressent à ce sujet, de passer par une phase de connaissance du manche, une phase théorique, un repérage mécanique sur la basse de l'arpège, comment il se joue physiquement, de mémorisation du mécanisme, ce qui nous conduit à la mentalisation du manche. Alors pour ceux qui suivent un petit peu mes lives, tous ces termes-là ne vous sont pas inconnus normalement. Donc voilà, on va essayer de faire ça. Et ensuite, une fois qu'on a localisé géographiquement, cartographiquement notre arpège sur le manche, et ben après, je propose aux élèves de s'amuser avec, quoi, en fait, d'être musical, quoi. Okay. Et ça, on verra ça donc dans la deuxième partie, quoi. Donc, première partie, ben on va se prendre un petit exemple d'accord sur le manche. On va se faire un petit repérage. Donc, ce soir, si vous avez votre basse dans les mains, je vous encourage à participer, à faire un petit peu comme moi. On va essayer de faire un truc pratique ce soir et un petit peu moins tchatché. Donc, un petit exemple. Ce soir, je vous propose un Sol mineur 7. Donc on se met dans une situation la plus concrète possible. Imaginez que vous jouez dans un groupe où vous êtes avec un guitariste ou un pianiste et le gars il vous sort « Ok, Sol mineur 7, qu'est-ce que tu peux faire là-dessus, mec ou fille ?» Puisque nous nous adressons à tous les celles et ceux qui nous suivent ce soir. Hein. C'est la mode du celles et ceux, donc allons-y pour les celles et ceux. Quand je dis mec, ça concerne aussi, bien sûr, les filles. Hein, je ne vais pas repréciser à chaque fois. Donc, on vous demande d'accompagner un accord de Sol mineur 7. Waouh ! Comment je fais ça ? Quelle note j'ai le droit de jouer sur un Sol mineur 7 ? Voilà, ça peut être le genre de question que beaucoup se posent quand ils commencent à jouer en groupe ou dans un atelier musical avec d'autres gens, quoi.
et qu'on vous demande de commencer à être créatif et non plus à faire simplement un cover, c'est-à-dire à reproduire une ligne de basse qui existe déjà sans forcément comprendre de quoi elle est constituée, quoi. Donc là, on se met dans la peau de quelqu'un qui doit créer sa petite ligne de basse, son accompagnement, à partir d'un accord, quoi. Alors sol, mineur, 7. On va dire qu'on a plusieurs informations dans cette appellation-là, sol, mineur, 7. Et donc plusieurs réflexes à adopter. pareil, le chat. Et petite vanne qui circule. Mineur, majeur. Bref, sol, mineur, 7. Première information, sol. Donc, le premier truc à faire, évidemment, dans la connaissance du manche, c'est de repérer un sol sur la basse. Boum ! Un exemple de sol, par exemple. Troisième case, corde de mi. Donc, je vous laisse l'attraper pour ceux qui ont une basse et qui veulent jouer pendant le live, là, et prouver un petit peu tout ce qu'on dit. On a un sol, troisième case, corde de mi, sol grave. OK. Et là, on commence le repérage. On a aussi un sol à l'octave. Cinquième case, corde de ré. Donc, sol, 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 sol. Sol, 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 sol. OK. N'hésitez pas à chantonner ce que vous faites. Je vous le rappelle. Allez, tiens, on peut se barrer dans une autre région. Pourquoi pas ? On peut aussi avoir un sol, dixième case, corde de la. Ou alors, douzième case, son octave, corde de sol. 10 et 12. Ça va, ça ? Ok. Donc là, première info sur ce sol mineur 7. Pour nous, les bassistes, eh ben, faut qu'on repère tout simplement le sol, la tonique, la note sol, quoi, qui va être la base de notre accord, la base de l'accord des pianistes ou guitaristes et la base de notre arpège à nous. Petite parenthèse, hein, un accord, arpège, un accord c'est simplement un arpège dont on jouerait toutes les notes en même temps. Comme ça par exemple. Ok ? Voilà. Un arpège, c'est simplement les mêmes notes, hein, mais jouées les unes après les autres. Ok. Donc, en parlant de ça, la deuxième info à récupérer, maintenant qu'on a trouvé la tonique de ce sol mineur 7. Sol, c'est fait. Mineur, ça, c'est la deuxième info. Mineur, ça veut dire quoi ? Et donc, c'est là qu'il faut qu'on fasse intervenir nos connaissances d'arpège. Sol mineur, ça veut dire qu'il va falloir trouver non seulement la tonique, ce qu'on vient de faire, mais en plus la tierce et la quinte qui va constituer notre accord ou notre arpège, quoi. Alors, comment trouver la tierce, comment trouver la quinte ? Tout ça, c'est de la théorie. Je vous conseille encore une fois de récupérer et de lire mes petites fiches d'harmonie pour débutants sur bassistique.com. Vous prenez l'onglet basse, cours, théorie, et boum, vous devez pouvoir charger ces fiches-là. J'explique, hein, quels sont les bons intervalles entre les notes pour retrouver une tierce, retrouver une quinte. Là, ce soir, on ne perd pas de temps avec ça. Je vous montre directement la tierce mineure et la quinte d'un accord de sol mineur 7. Maintenant que vous avez le sol, on va venir jouer la tierce mineure, deux endroits possibles. Soit ici, un ton et demi plus loin, un ton et demi plus loin. On a un si bémol sixième case. Ou alors, ce même si bémol, on peut le jouer aussi première case, corde de la. Ok. Donc soit ici, soit ici. Ok. Merci Alain pour ce petit compliment dans le chat. De temps en temps, je jette un œil. Mais voilà, j'essaie de me concentrer pour l'instant sur le propos de ce soir, quoi. N'hésitez pas après, hein, si vous avez des questions là-dessus pendant
que je vous explique le truc. Hein, si je vais trop vite ou quoi, n'hésitez pas à me faire la remarque. Donc, il nous faut la tierce, et c'est celle-ci, le si bémol. Sol, si bémol. Ou alors sol, si bémol. Ok, il nous faut la quinte. La quinte, ça va être un ré. Ici. N'oubliez pas que chaque note a sa propre octave. Donc, je vous montre un ré ici. Il y a aussi un ré à l'octave. Donc, bien sûr que ce ré fait aussi partie de l'arpège. Hein. Chaque note a sa propre octave. Donc, sol, si bémol, ici par exemple, ré. Ok. On va rajouter la troisième information. Là, on a nos deux premières infos. Donc, sol mineur 7, il faut trouver le sol. Mineur, bah, il faut jouer une tierce mineure. Et on va l'accompagner systématiquement de sa quinte. Donc maintenant on a ça. Il fait un peu chier cet autofocus là, non? Vous m'en donnerez des nouvelles. Je crois que j'ai encore des petits réglages à faire pour cet appareil photo. Je vois qu'il est un peu chiant. Bref, troisième information dans sol mineur 7, 7. Donc il faut qu'on rajoute la septième. Donc là, c'est une septième mineure en l'occurrence. Pareil, hein, dans mes fiches de théorie pour débutants, j'essaie de bien faire la distinction dans l'écriture. Quand vous voyez dans un accord écrit sol mineur, bon, vous savez qu'il faut que vous attrapiez le sol mineur, il faut que vous attrapiez la tierce mineure, et puis on va rajouter la quinte aussi. Et quand vous voyez donc l'autre info 7, quand le 7 est à poil, la septième est mineure par défaut. Et ça, tout le monde fait la confusion entre majeur 7, 7 dans l'écriture des accords. Quand le 7 est à poil, le 7, la septième est mineure. Donc là, du coup, sol mineur d'un côté, 7 à poil de l'autre, il nous faut une septième mineure. Donc on va la jouer ici, la septième mineure, c'est un Fa. On va la jouer ici. Mais comme vous savez que chaque note a son octave dans les graves ou dans les aigus, là je viens de vous jouer un Fa aigu, et ben on va aller trouver son Fa grave ici. Vraiment chiant cet autofocus. Donc la septième mineure, elle est soit ici sur un Fa aigu, soit ici sur un Fa grave. Donc si je résume la chose, tonique, sol ou alors sol ici. Tierce mineure, si bémol ici, mais son octave peut être ici aussi. La quinte, c'est un ré ici, ou son octave. Et la septième, c'est un fa, donc un fa ici ou un fa grave. Bon, j'ai perdu la moitié de mon auditoire là, ou bien? Est-ce que ça vous paraît complètement foufou ce que je suis en train de dire, ou est-ce que ça reste cohérent pour vous? Dites-moi un petit peu. Et puis moi, pendant ce temps-là, je vais continuer. Oh, David a fait péter l'adresse du Tipeee bassistique. Merci David, c'est sympa. C'est vrai que j'ai un compte Tipeee. Pour l'instant, j'en parle pas parce que voilà, on n'est pas forcément très très nombreux, même si ça grossit chaque semaine. Mais c'est vrai que s'il y en a qui ont envie de contribuer, peut-être que je ferai un petit peu de pub dans quelques temps. J'ai un compte Tipeee pour ceux qui veulent contribuer un petit peu à ces lives. Ça reste possible. Non, merci David pour la petite pub. Qu'est-ce que me dit Nobody Here? 7 à poil en mineur, ça passe. L'habitude du coup par rapport à la notation des accords. Oui. Je ne sais pas trop ce que tu veux dire par là, mais bon. Ça va, vous suivez, impeccable, ça va pour le moment. Ok, alors, si on... Ouais, c'est clair, Christophe, tout ça, Alain, Mickaël. Ok, super, bah, merci bien. On continue. Donc, pour résumer, un sol mineur 7, c'est constitué d'un sol, un si bémol, un ré et un fa. Tonique, tierce mineure, quinte, septième. On se le joue sur la basse. Sol, je démarre avec le petit doigt, je suis un fou. Tierce mineure avec l'index, si bémol, première case,
le ré sous le petit doigt et le fa sous l'index. Alors si vous avez remarqué, hein, la fameuse pince index petit doigt index, petit doigt index. Et si je veux rejouer mon sol, petit doigt index sur le si bémol, petit doigt sur le ré et le fa. Si j'en ai marre de le jouer dans les aigus, je joue dans le fa, dans le grave. Et donc là, ça sera avec l'index. Donc, tonique, tierce, mineur, quinte, septième. Septième, pareil, fa, fa. Tonique, tonique, sol, sol aigu. Tierce mineur, tierce mineur. Quinte, quinte dans l'aigu. Septième. 1, 3, 5, 7, encore une fois, un arpège, c'est constitué des notes impaires d'une gamme. La trouvaille, sans déconner, c'est hyper facile. C'est hyper facile, ok ? Un arpège est constitué des notes impaires d'une gamme. Là, si vous avez une cheminée, vous gravez ça au-dessus. Hein, et avant de vous endormir le soir, vous relisez cette phrase. Un arpège, c'est les notes impaires d'une gamme. Le petit rappel sur la gamme de Do majeur. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 3, 5, 7. J'ai un arpège tiré de ma gamme majeure, par exemple. Okay, donc là, j'ai fait la même. Hein. L'arpège de sol mineur, ce sont les notes impaires. Alors maintenant, je commence à les tripatouiller un petit peu dans tous les sens. Maintenant que j'ai bien repéré mon arpège sur ce manche, je commence à me chauffer un petit peu avec. Sol, je vais plutôt chiffrer. Tonique, tierce, quinte, septième. Tonique, septième, quinte, tierce. Tonique, septième. Tonique. Tierce, tonique, tierce, quinte. Tierce, tonique. Maintenant, je vous chiffre ça simplement. 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 3, 1, 7, 5, 3, 1, 7, 1, 3. Je commence à trouver des petites idées de groove. Et on va regarder ça ensemble. Est-ce que ça va pour tout le monde, cette localisation de l'arpège ? Est-ce que ça va, ça ? Dès lors qu'on sait comment constituer un arpège, lisez les fiches d'harmonie pour débutants, on les repère sur le manche, toutes ces petites notes, et on commence à les triturer dans tous les sens. Alors, je vais commencer à triturer. Sans tempo, sans rien. Juste du repérage. Du repérage mécanique, physique, géographique, cartographique. Voilà, je repère mes notes sur le manche. Je fais n'importe quoi, je les renverse, mais à chaque fois, je joue les notes 1, 3, 5 et 7. Dans tout ce que je vais vous faire là, ce soir, je ne sais pas ce que je vais faire, mais je vais le faire. À chaque fois, ce sera uniquement l'arpège sol mineur septième, les notes sol, si bémol, ré, fa. Si vous voyez des trucs se passer par là, je ne sais pas comment je vais triper, dites-vous bien, ne vous dites pas, oh, il a rajouté des notes, non, il a fait le bouffon là. Tout va se passer uniquement avec les quatre notes, sol, si bémol, ré, fa. Ok ? Donc c'est parti. Alors je vais faire une petite pause chat. Je regarde un petit peu. Ça a l'air d'être clair pour à peu près tout le monde. Hop là, une petite remarque de Dominique peut-être. Quelle différence dans notre jeu entre un accord mineur ou mineur 7 ? Vu que si il est juste mineur, il aura forcément sa septième mineure. Alors non, il n'aura pas forcément sa septième mineure. Mais je comprends ce que tu veux dire. Dans l'absolu, si vous voyez sur une partition sol mineur, par exemple G majuscule petit m,
Oh ben merde, la septième, elle est où? Alors oui, effectivement, là, tu as raison, Dominique. Si vous voyez juste Sol mineur et pas Sol mineur 7, oui, par défaut, dans le Sol mineur, vous pourrez inclure la septième mineure, effectivement. Par défaut, on va dire que la septième sera mineure. Par contre, il ne faut pas dire que c'est comme ça de toute façon. Tu peux avoir un accord mineur avec une septième majeure à l'intérieur. Mais de toute façon, ça, c'est spécifié dans l'écriture de l'accord. Un sol mineur avec une septième majeure dedans. Attention. Ça sonne un peu chelou, mais c'est très utilisé en musique, en jazz en particulier. Mais en tout cas, voilà, bonne remarque. Si vous voyez juste sol petit m, bah vous pouvez juste jouer tonique, tierce, quinte. Voilà, vous avez votre sol mineur. Mais si vous avez envie de rajouter dans votre ligne de basse la septième mineure, même si ce n'est pas marqué dans l'accord, vous avez bien sûr le droit de le faire, ça sonnera très bien. Par défaut, oui, ce sera la septième mineure. On est bien d'accord. OK? Bon, voilà ce petit repérage. Ça passe très très vite les live chat, j'ai l'impression. Donc, je regarde un peu, ça fait déjà une demi-heure. Il serait peut-être temps de groover un petit peu. J'espère que tout le monde me perçoit correctement. Encore une fois, mon flux là est dans le rouge, ça m'énerve. Bref, un petit exemple maintenant de groove. Je vous fais un petit exemple comme ça parce que moi je suis tout froid là, j'ai besoin de me réchauffer un petit peu. Je vais groover un petit peu, faire ce que je peux. Je vous montre en fait ce qu'il est possible de faire en s'amusant avec cet arpège. Comme ça, vous apprenez votre manche, votre théorie, en vous amusant. Donc, je vais dégager une petite boîte à rythme que vous devriez entendre. Où est ma fameuse groovebox? Tac, elle est là. Est-ce que vous la voyez, vous? Voilà, faudra que je soigne un petit peu l'affaire. Oui, voilà, c'est ce truc-là. Je la réduis un petit peu. Chut. Voilà ma petite groovebox que je conseille à tout le monde hein, pour travailler en tempo. Un métronome, c'est vachement bien aussi. Mais voilà, la groovebox, c'est ludique. Alors, on va mettre un petit tempo. Ouais, un truc comme ça. Et là, je commence à m'amuser avec cet arpège de sol mineur 7. Petit exemple d'amusement en fait avec cet arpège. Donc là, comme je vous disais tout à l'heure, hein, je n'ai joué que les notes de l'arpège quoi, hein, qu'on vient de voir, sol, si bémol, ré, fa.
Et puis j'essayais de les brasser un petit peu dans tous les sens, avec quelques petites recettes de cuisine évidemment pour que les grooves fonctionnent. Et ça, on pourra en parler de ces petites recettes au fur et à mesure des lives. Mais voilà, en gros, je me suis amusé avec mon arpège. Et pendant que je m'amuse, eh ben, du coup, je mémorise vraiment les positions des notes, quoi. Et je sais qu'un sol mineur, maintenant, ça se joue ici, terminé. Ok? Donc, comment groover cette affaire? Moi, ce que je conseille à mes élèves, généralement, qui s'intéressent à ce sujet, c'est de commencer intervalle par intervalle, en fait. D'arriver à prendre une tonique et puis à travailler un intervalle précis. Soit la tonique avec la tierce mineure, soit la tonique avec la septième, soit la tonique avec la quinte. Mais voilà, d'y aller tranquillement, intervalle par intervalle, et de produire quelque chose sur un tempo et sur une mesure, pour commencer. Ok? Je regarde un petit peu le chat. Oui, ça va tout ça pour l'instant? Tac. Voilà. Bruno, salut Bruno. Donc si je comprends bien, tu es resté que sur le même accord. Voilà, je suis resté sur le sol mineur 7. Un guitariste aurait pu faire ça derrière moi, par exemple. Si je remets la batterie, hein. Sol mineur 7. Sol. 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 Voilà, donc c'est toujours le même accord, hein. Mais comme je vous disais, bah, j'essaye de surfer sur ces quatre petites notes, quoi. Donc, un petit exo qu'on peut se faire ce soir, c'est de se choisir un intervalle. On n'est pas obligé de tout de suite essayer de groover avec toutes les notes de l'arpège. Il n'y a que quatre notes, mais finalement, avec leurs octaves respectives, ça multiplie vachement les possibilités et on peut être vite dépassé, quoi, hein. Donc, un petit conseil, c'est de commencer intervalle par intervalle. Donc, évidemment, la première note, ça sera toujours la tonique, forcément. En tant que bassiste, si on vous joue un accord de sol mineur 7, bien sûr qu'il faut, il faut faire entendre le sol, évidemment. Donc, bien sûr, on prend la tonique. Et puis là, on va se choisir un petit intervalle. Si on prenait, par exemple, la tierce mineure. Ici. Sol, si bémol. En vous rappelant que le sol contient, enfin, a sa sœur jumelle, son octave, sol aigu, et la tierce mineure, même chose, a son octave à elle, le si bémol, a son si bémol aigu. Je sais que j'ai que deux notes, donc je vais quand même me débrouiller à pouvoir avoir un maximum de possibilités, quoi. Donc dès que je peux attraper les petites sœurs jumelles des notes là, eh ben je les prends, je les utilise, quoi, parce que voilà, il faut que j'arrive quand même à trouver un minimum d'idées avec deux pauvres notes, quoi. On se fait un petit essai. Je vous mets une batterie plutôt simple, hein. On va se mettre par exemple ça. Écoutez-moi ça. Je crois que c'est celle-là. Alors moi, mon petit réflexe, c'est d'écouter la grosse caisse. Je l'ai un petit peu évoqué dans des lives, dans des vidéos aussi, la relation basse-batterie. Poum, tchac, poum, poum, tchac. Donc là, je m'intéresse à la grosse caisse. Immédiatement, je me chante la partie de batterie. Poum, tchac, poum, poum, tchac, poum, tchac, poum, poum, tchac. OK? Et là, je me dis, ben, je vais coller la basse sur les grosses caisses. Et ça va faire ça. Je laisse la caisse claire tranquille.
Et là, j'ai utilisé que le sol, que la tonique. Sol, 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 sous mon petit doigt. Sous mon petit doigt. Arrêtez de triper, c'est sous mon petit doigt. C'est parti. Sol, sol, sol. Sol, sol, sol. Puis tiens. Sol, sol, sol. Sol, sol, sol. Et pour s'amuser. Tiens, je me mets à mettre des petites notes mortes. Ça sera un autre sujet, hein. Les notes mortes. Ok. Et puis comme je vous ai dit, ben, on est quand même là pour travailler l'arpège. Donc cet intervalle tonique tierce là, ben, je vais essayer de l'utiliser en restant connecté au batteur. Sol, si bémol. Sol, si bémol, sol. Vous les voyez les notes ou pas là, hein? Le sol et la tierce mineure ici. Je m'amuse un petit peu. Qu'est-ce que je viens de faire là? Ça c'est quoi ça? Je viens d'attraper la tierce mineure, toujours pareil, mais c'est son octave que j'ai attrapé. La tierce mineure aiguë. Oh, oh. Et là, je viens d'attraper le sol, mais à l'octave, son octave. Donc j'ai toujours mon intervalle tonique, tierce mineure. J'ai toujours mon intervalle sol, si bémol. J'ai pas rajouté d'autres notes que ça. Hein. C'est reparti. Ok, et je mémorise pendant ce temps-là, pendant que je m'amuse avec cette batterie, je commence à sérieusement mémoriser l'intervalle tonique tierce mineure, ici, hein. En tout cas avec ce doigté-là, et puis le fait que chaque note a son octave, donc la tierce mineure dans les aigus, je m'amuse aussi avec elle, et la tonique dans les aigus, je m'amuse aussi avec elle, quoi, ok. Là, la partie de batterie est simple, ma ligne de basse est simple. Ce qui m'intéresse, c'est de mémoriser les notes sur ce fucking neck, ok. Donc du coup, pour l'instant, je ne me complique pas la vie. Je veux juste mémoriser mes notes sur le manche en m'amusant un minimum, d'accord. Étape suivante, quand vous avez bien trippé sur la tonique et la tierce, par exemple. Alors, j'ai une petite question de Damien. Tu l'as déjà dit, mais c'est quoi la boîte à rythme? Alors, la boîte à rythme, c'est la Groovebox Red Devil. Hop, je vous la remets. J'essaye de vous la remettre en gros. Et merde. Comme ça. Je suis désolé, hein, je suis encore une quiche d'OBS, là, sur OBS. La Red Devil qui a été élaborée par Desktop Metronome. Des icos qui programment des petits logiciels de musique et c'est vachement bien fait, je la conseille. Elle doit être aux alentours de 25 euros en téléchargement à vie. Ça vaut le coup, franchement, c'est cool. Donc voilà, c'est la Red Devil Groovebox. Hop là, allez, reviens Léon. Chut. Hey, tu reviens? Eh non, il ne veut pas revenir. Eh bien, ce live s'arrête ici. Je n'arrive plus à retrouver mon image. Ah, ça y est. Ok, donc... Eh bien, on pourrait travailler un autre intervalle, par exemple la tonique et la septième mineure. Tonique,
Petit rappel, troisième case, la septième mineure, c'était un Fa. On l'a localisé ici et on l'a localisé ici. Alors, je fais le coup très souvent à mes élèves. Hein. L'intervalle tonique septième mineure, je crois qu'on l'a déjà évoqué dans les lives précédents. Tonique septième mineure, c'est le plan d'escroc de tous les bassistes. D'accord ? Dès que vous cherchez à groover un minimum une ligne de basse, la tonique et la septième mineure, c'est le plan, c'est la recette ultime pour ce genre de groove de musique de ligne de basse. Tonique, septième mineure, ça marche à tous les coups. Je vous le prouve dès maintenant. C'est ce qui s'est entendu le plus dans tout ce qui groove, soul, funk, rhythm and blues, tout ce que vous voulez, cet intervalle-là. S'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah maintenant, vous devez vous en douter. Qu'est-ce que je joue dans les aigus là? Bah oui, hein, je joue les mêmes notes. Sol et Fa, Sol, Fa, Sol, Sol, Fa, Sol. Si vous avez remarqué, au niveau de la symétrie du manche, c'est quand même cool cet instrument de feignasse, puisque vous avez deux cases d'écart entre la tonique et la septième mineure, et ça sera vrai partout sur le manche. Deux cases d'écart, Sol et Fa ici, deux cases d'écart. Hein ? Pardon, excusez-moi. Sol et Fa, deux cases d'écart. Donc c'est un instrument de feignasse et n'apprenez pas vos notes bêtement sur le manche, quoi. Franchement, c'est cool une fois qu'on a localisé cet intervalle. D'accord ? L'heure avance. Je vais speeder un petit peu plus et puis combiner maintenant mes intervaux, un intervalle des intervaux. Voilà, c'est la nouveauté pour ce soir. Je vais combiner mes intervalles avec l'intervalle de tierce mineure que je viens de faire juste avant et l'intervalle de septième. Et puis, je vais essayer de jouer avec leurs octaves respectives. Et voilà, et on va voir ce que ça donne, quoi. Alors, je change la partie de batterie. Je vais remettre... Tiens, non, on va utiliser... Alors, hop, je vous la remets si je peux. T'as décidément... Je suis une quiche sur OBS. Tac, je vous remets la boîte à rythme et puis je vous montre le petit pattern que je vais utiliser. Donc là, je vais aller dans Funk, ici. Donc avec cette boîte, c'est super cool. Il n'y a rien à programmer, il y a juste à choisir. Funk. T'es couillon. Voilà, ici. Funk, donc. Et puis là, vous avez toute une flopée ici de groove que vous avez simplement à écouter et puis à choisir. Moi je vais prendre Funk 4, je crois, j'aime bien celui-ci. Le tempo ici 92, je vais peut-être le speeder un petit peu ici, hop là je monte, faut pas que je fasse le foufou parce que je suis tout froid ce soir, et voilà. Donc là, en pas longtemps, vous avez un batteur. Ah, une petite batterie un petit peu fougasse à comprendre. Boum, tac, boum, tac, boum, tac, boum, boum, tac, boum, tac, boum, tac, boum, tac, boum, boum, tac, boum, tac, boum, tac, boum, tac, boum, boum, tac, boum, tac, boum, tac, boum, tac, boum, boum, tac, ok. Je vais essayer de faire un truc avec ça. Toujours en relation avec la batterie et toujours en connexion avec mes intervalles. Boum, tac, boum, tac, boum, tac, boum, boum. Thank you.
pas tricher. Je suis parti. Excusez, c'est moi. J'étais parti ailleurs. J'étais en train de lire le chat tout en jouant et tout. C'était n'importe quoi. Tiens, il faut que je confirme, monsieur Joël. Boum, sur le chat. Tac. Faites chier les Parisiens. Qu'est-ce qui se passe avec les Parisiens? Alors, ouais. Je vais jeter un œil sur ce chat parce que finalement, je modère que dalle. Qu'est-ce qu'ils ont les Parisiens? Ils sont pas contents? Ils ont ça c'est normal, ce sont des Parisiens. C'est presque un pléonasme. Allez-y, insultez-moi. Comment ça va tout ça? Est-ce que ça vous paraît clair, cohérent tout ça? Je remets l'image, sinon je vais me faire engueuler. Boum. Est-ce que ça vous paraît clair? Enfin, cette façon, en tout cas, je sais que ça va demander de la pratique, de l'entraînement, d'arriver à digérer tout ça. Là, j'ai un petit peu chargé la ligne de basse. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vraiment, là, je n'ai utilisé rien d'autre que la tonique, la tierce mineure et la septième. D'accord, dans tout ce que je viens de faire là, quoi. Simplement, peut-être que ça a l'air un petit peu foufou parce que j'ai alimenté. Au niveau de la main droite, j'ai alimenté rythmiquement avec des notes mortes, des syncopes et tout ça. Et ça sera un autre sujet. Mais simplement, selon le niveau de chacun, vous pouvez tout à fait faire ce même travail de manière plus simple, hein, comme ce qui s'est passé tout à l'heure. Là, je joue avec ma tonique, ma tierce mineure et ma septième. Donc, j'ai conscientisé mes notes. Je sais quelles sont mes notes. Je ne suis pas en train de faire nimp et de jouer à l'arrache sans savoir quels intervalles je joue. J'ai passé du temps tout à l'heure à isoler mon arpège au début du live. Et maintenant, voilà, consciemment, je sais que je joue une tonique, une tierce mineure et une septième. Et je m'amuse. Alors, 7, 1, 3, 7, 1, 3, 7, 1, 3, 7, 1, 3, 7, 1, 3. Ok. Bon, voilà un petit peu sur l'utilisation des... Enfin, combiner théorie et groove, en fait, puisque le sondage nous indiquait qu'on n'arrivait pas à départager la chose. On peut travailler les deux ensemble, et c'est même ce que je conseille, hein, de combiner un petit peu les différents aspects de la basse électrique. De pas forcément isoler la théorie d'un côté et le groove de l'autre, mais bien sûr que le but, c'est de combiner l'ensemble, quoi. Et de savoir ce qu'on fait, ce qu'on joue, quoi. Ok ? Avant de nous quitter, un petit œil sur le chat. J'ai pas beaucoup regardé, je suis désolé. Je pense que je pourrais le relire en replay normalement, il me semble. Est-ce que je vous ai semblé suffisamment clair? Alors, il y a des petites news. Alors, Crisp, salut Chris, qui va voir Tower à Paris le 21 mai. Et effectivement, je crois que j'en ai parlé sur un live précédent. Le Tower of Power, je suis ultra fan du Tower of Power. J'ai tout piqué à Francis Rocco Prestia. Je lui ai honteusement pompé, notamment son jeu de main gauche.
Il passe donc le 21 mai à Paris, merci pour l'info, Chris. Il passe le 5 juillet, je crois que c'est David qui l'a reprécisé. Il passe le 5 juillet à Cognac, en Charente. Et évidemment, je vais tout faire pour y être. J'espère que je n'aurai pas de date de concert, de machin, de truc. J'encourage vraiment tout le monde à aller voir le Tower of Power. Ok. Rudy. Ah bah Rudy est là. Bah très bien Rudy. Voilà, t'as trouvé le chemin des lives. Impeccable, c'est cool. Simple et efficace. Juste les bonnes notes bien placées. Content d'être là ce soir. Et ben content de te voir, Rudy. Il est bon la batteuse en contretemps. Bruno, alors la dyslexie, comment ça se passe en ce moment? Oui, c'est le groove à la James Brown. Hein. Tung tung kat, tung tung ska. J'adore ça. Deux heures de basse la semaine pour moi, dit Damien. Deux heures de basse la semaine pour moi. Oui, bah c'est très bien déjà. Moi, je fais pas deux heures par semaine en ce moment. Et donc, c'est cool quoi. Enfin, après, chacun voit au mieux, hein, suivant son planning et tout. L'important, c'est de sentir que tu progresses quoi. C'est ça le plus important. Merci Harvey. Super groove. Bah là, ce soir, c'est vraiment de l'impro total. Hein. Vous l'avez sans doute entendu. Mais c'est histoire d'illustrer un petit peu le propos. C'est quel modèle de Vigier? Alors ça, c'est une Vigier Passion. Première génération, achetée à un prix défiant toute concurrence parce qu'elle était vraiment en mauvais état en fait. Elle était mal poncée, l'électronique était rincée, inutilisable. Donc j'ai fait refaire un vernis, une peinture par Christophe Huor et il en a profité pour poser une électronique à lui. Donc j'aime bien évoquer, parler de ce que j'aime. Là, c'est Christophe Huor qui est un super luthier dans le 79 à Parthenay. Que je conseille à tout le monde, il fait des préamplis artisanaux de folie qui ne laissent aucune raison de continuer à aller sur les grosses marques mondiales concurrentes, franchement. Et en plus, il est entièrement personnalisable le préampli suivant votre type de jeu et votre type de basse, quoi. Christophe Huor. Les micros sont d'origine, c'est des Benedetti. Voilà, c'est une Vigier Passion première génération qui, d'un seul coup, a pris un petit peu de valeur, je pense, quoi. Et c'est cool. Et là, je viens de changer les cordes. Et du coup, forcément, elles sonnent d'autant mieux. J'aime bien. Rien à voir qu'une Fender Jazz Bass, une précision, c'est carrément un autre son, quoi. Hop là, quelques petites lectures. Je suis en train de perdre le fil. Hop. Oui, donc voilà, je vois le message de David. Tower of Power à Cognac le 5 juillet. Il faut absolument qu'on y aille tous, les gaziers. Là. Les syncopes, qui a inventé cette torture? Je galère trop là-dessus. Alors ça, c'est la main droite, c'est travail du rythme, quoi, hein, travail de la syncope. Mais franchement, ça fait tout, d'arriver à comprendre le placement d'une deuxième double, d'une quatrième double croche. Pour ceux qui aiment tout ce qui groove, hein, tout ce qui est soul, funk, etc. C'est super important. On aura l'occasion certainement d'en reparler. Un conseil pour les syncopes, du coup, ben oui, c'est ça. Essaie de regarder peut-être dans les lives précédents. J'en ai parlé. Essaie de regarder dans les titres ou dans les descriptions le travail de la syncope. Regarde celui de la semaine dernière, notamment sur les notes mortes, je crois. Peut-être que ça peut te donner quelques pistes. Merci Christian, quel plaisir, bah pour moi aussi hein. Toujours un vrai plaisir, et bah ça fait plaisir. Agnès, très clair, le groove sur un autre style que le funk aurait été la cerise sur le gâteau. On peut se faire ça vite fait, t'as raison, c'est vrai que moi je vais sur ce que j'aime le plus, mais tiens, si on se trouve une petite batterie rock, je sais pas hein, qu'est-ce qu'on a là-dedans là. Je sais pas, un truc comme ça. Un groove à la Led Zepp. Hop, je remets le son. Alors pareil, tonique, tierce, septième. Mmh.
Si ça répond à ta question, c'était moins funky quand même. Mais les notes étaient les mêmes, hein, tonique, tierce mineure et septième mineure. Voilà. Merci Mickaël, c'est vrai, c'est toujours un plaisir. Eh bien écoute, hein, tant que le plaisir est partagé, hein, comme on dit, c'est cool quoi. Donc voilà Agnès, ouais, dans un autre style, ça aurait pu être bossa nova aussi. Mais voilà, les notes sont les mêmes, c'est les rythmes qui sont différents finalement, ce qu'on fait à la main droite, hein, mais à la main gauche, ce qu'on apprend en théorie est valable pour tous les styles de musique de toute façon, quoi. Et voilà, je continue un petit peu pour finir sur le chat, parce que c'est vrai qu'on est là aussi pour échanger. Hop là! Ah oui, Olivier me demande, bonsoir à tous, il me semble que tu n'as pas utilisé de quinte, y a-t-il une raison? Merci pour tes vidéos. Non, c'est que on n'a pas travaillé tous les intervalles, mais c'est vrai que la quinte est super importante, puisqu'elle se retrouve dans tous les types d'accords, de toute façon, quoi. Il y a toujours une bonne vieille quinte pour soutenir tous les types d'accords. Donc effectivement, si on prend, je ne sais pas, un truc un peu plus droit... Et pour rebondir sur ce que disait Agnès, tonique quinte, et je travaille. Donc le sol avec le ré, hein, tonique quinte, et j'essaie de me trouver un petit groove, et là on va dire qu'on est dans le rock classique. De faire What Mill variation non plus pour... oui, la batterie était forte pendant que je parlais. Il n'y a pas besoin de faire What Mill variation pour faire son job de bassiste. Hein. Là, j'ai tenu un truc plutôt droit, simple, tonique quinte. Et puis voilà. Et ben merci à toi, Claudie. Oui, Joël, tu es là. Le Woom. tes lives sont ultra cool, merci Hervé. Voilà Olivier, hein. Oui, la quinte super importante, voilà, je ne l'ai pas évoqué, c'est vraiment le fruit du hasard. Eh bien écoutez, je vois que ça réagit encore pas mal, merci beaucoup en tout cas pour vos réactions. On était a priori jusqu'à une soixantaine, un petit peu plus encore ce soir, donc c'est vraiment cool. On va voir si la chaîne évolue au fil des semaines au niveau de la fréquentation et puis moi au niveau du contenu. Comme je le disais la semaine dernière, je vais essayer de démarrer des vidéos. Donc cette fois, ça ne sera pas des lives, ça sera juste des vidéos le plus régulièrement possible. Toutes les semaines, je ne suis pas sûr parce que je suis gavé de taf et tout ça. Et voilà, c'est un petit peu difficile. Mais de sortir des vidéos de temps en temps sur divers sujets. Pourquoi pas sur la création de groove funk, c'est le petit teaser que j'ai fait la semaine dernière. Voilà, et puis si la fréquentation augmente et tout ça, si un maximum de gens est intéressé par ce que je peux proposer, et bah, qui sait où ça nous amènera. Donc en tout cas, n'hésitez pas à le faire savoir. Si vous pouvez coller un petit pouce sur les lives et tout ça, histoire de flatter l'algorithme de YouTube, ça sera super. Et puis voilà, on va voir où on va aller ensemble avec tout ça. Encore une dernière petite question peut-être. Christian, ok pour la basse. Mais tu es sur quel ampli et si possible une indication des réglages pour avoir ces super sons? Alors là, il faut que tu regardes l'avant-dernier live du coup là maintenant. Il faudrait que tu regardes le live de la semaine dernière qui était consacré au son. Et où je parlais un petit peu des différents types de réglages, qu'est-ce que les graves, les médiums, les aigus, tout ça.
Et voilà, donc sinon à titre informatif, donc ça c'est une basse Vigier. Et moi je joue sur les amplis Marc Bass. C'est pas forcément ma marque préférée, c'est ce que j'ai trouvé de plus léger pour mon dos qui est à l'agonie. Donc voilà, Marc Bass. Mais ceci dit, ça sonne bien, Marc Bass, ça sonne très bien, il n'y a pas de souci. Et derrière moi, là, c'est une tête SWR avec un câble Ampeg. Voilà, rien à voir. Et ça sonne très bien aussi. Et voilà, je ne suis pas endorsé par qui que ce soit. Et j'en suis bien aise. Voilà. Bienvenue, Sébastien Biscotte. Merci, ça m'éclaire vraiment par rapport à la théorie. Eh bien, tant mieux, c'est le but. Oui, voilà, c'est ça, Agnès. Sur le son, c'était sur le live de la semaine dernière. N'hésitez pas, ils sont tous en replay hein, sur la chaîne YouTube. Donc, explorez un petit peu et puis vous allez les trouver, quoi. Merci à toi, Michel. Bonne soirée, Mickaël. Eh bien, ouais, on va se quitter là, je pense. Merci pour toutes vos réactions. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez peut-être des questions, des remarques sur ces lives et tout ça. Voilà, tous les conseils sont bons à prendre, les améliorations et tout ça. Donc, n'hésitez pas à réagir là-dessus. Oula, tac, 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 tac. Claude, 52 en ligne et 39 pouces, ça coûte rien et ça aide. Oui, voilà, c'est ça. Merci Claude. Un petit pouce et c'est cool. Juste pour mon cas, Michel, juste pour mon cas, j'ai appliqué tes conseils sur le réglage ampli basse de la semaine dernière. Effectivement, j'ai vraiment compris que c'était essentiel. Eh ben alors, ça, c'est cool. C'est le but un petit peu de ces lives, c'est que tout le monde après arrive à choper des conseils et à les appliquer. Salut Sylvain, Pompon adore, merci Bruno, impeccable. J'espère que je sors sur ta télé 125 cm. Hein. Voilà, bah merci à tous en tout cas. Et puis rendez-vous, si tout va bien, dimanche prochain 19h. Est-ce que je rebalance un petit sondage? En tout cas, je risque de balancer un sondage sur l'horaire. Est-ce qu'il est bien cet horaire dimanche à 19h? Est-ce que ça empêche des gens de venir parce que le dimanche soir, peut-être que votre dulciné ou votre conjoint, mari, ça les emmerde que vous soyez pendant une heure devant un écran un dimanche soir, par rapport aux enfants aussi, tout ça? J'en sais rien. Alors, peut-être un petit sondage là-dessus. Quel serait l'horaire idéal, mais même si bien sûr à mon avis il n'existe pas. Et puis de quel sujet on va traiter la semaine prochaine, n'hésitez pas à répondre au sondage dans l'onglet communauté sur la chaîne YouTube Bassistique. Et puis voilà, ok, alors bonne soirée à tout le monde, merci à tous, rendez-vous dimanche prochain, ciao.